et à tous, chers amis. Alors cette vidéo est très particulière, chacun d'entre vous pourra se reconnaître dans celle-ci. Dans cette vidéo, je vous dévoile un secret très puissant du pourquoi, du comment j'ai souhaité devenir youtubeur et même désormais pourquoi je suis le premier youtubeur de France et il y a le soleil qui vient au même moment. Donc remontons dans le passé. En fait, c'est un ami qui s'appelle Thomas qui était youtubeur et qui réalisait des vidéos sur les animaux. Alors au début, je ne prêtais pas beaucoup d'attention à son contenu, jusqu'au jour où je vous assure que je suis devenu un véritable fan de mon ami Thomas. Pourtant, il avait quelques abonnés, des amis, de la famille, des proches, etc. Voilà, des gens très très proches de lui. Mais je sentais la passion qu'il mettait dans la réalisation de ses œuvres. Chers amis, le point de départ a été la passion partagée de mon ami Thomas, jusqu'au jour... Alors là, j'étais encore plus remonté jusqu'au jour où mon ami Thomas donc, a arrêté sa chaîne YouTube. Et je crois que c'est la vraie raison qui m'a poussé à démontrer que tout est possible dans la vie quand il te donne à fond. Par cette vidéo, je voudrais dire à Thomas et à vous tous, toutes et tous qui regardez cette vidéo, que tout est possible dans la vie, même de faire des vidéos en mode chinois avec le soleil. J'en reviens à YouTube, chers amis. Je suis vraiment complètement sidéré quand j'ai été face à la statistique suivante. 95% de leur ferment leur chaîne parce que les résultats se font attendre trop longtemps. Or, je voudrais dire à ces mêmes 95%, merci le soleil, que lorsque vous commencez un projet, c'est normal d'être à zéro au départ. Et même si cela dure longtemps, chers amis, lorsque j'ai monté ma première entreprise au départ, je pointais à 0€ de chiffre d'affaires. Mais j'ai continué le combat, car l'entrepreneuriat permet la liberté. Et vous savez ce qui va se passer après quand vous entreprenez chaque jour, un petit pas à la fois. Donc comme l'enfant fait des petits pas et ensuite il marche sur ses deux jambes. Voilà, il y a une expression qui dit que la vie vaut la peine d'être vécue. Je dirais qu'elle vaut le bien d'être vécue. Voilà, c'est une question d'état d'esprit que je vous invite sérieusement à mettre en place. Et voilà, merci pour votre fidélité sur cette chaîne YouTube. Voyez, j'ai mis un décor de rêve pour vous. Mettez-moi un petit like ou un dislike d'ailleurs, mais partagez cette vidéo à un ami. Un ami qui a 1 cm de jeter l'éponge. Car oui, les résultats sont beaux lorsque vous allez braver énormément d'obstacles, chers amis. Et si vous obtenez des résultats sans faire d'efforts, je vous assure que la récompense sera moins épanouissante. En bref, oui, la vie est dure et difficile. Mais c'est cela qui sert de prétexte à profiter de l'accomplissement qui en résulte. À bientôt et encore merci. Et le camion qui dit au revoir.